Cette semaine, dans la minute de formation, nous allons aborder le bore-out. L'objectif de cette minute est d'identifier comment rendre le travail plus stimulant pour éviter que les employés ne s'ennuient. Le bore-out, aussi appelé syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui, est tout aussi important à prendre en compte que le burn-out. Il se produit lorsque l'employé a une sous-charge de travail et qu'il s'ennuie sur une longue période. Selon des études, le bore-out est associé à de la dépression, de l'anxiété, du stress et de l'insomnie. De plus, les personnes qui vivent un bore-out sont 2,5 fois plus susceptibles d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Voici les occasions qui peuvent mener les employés à éprouver de l'épuisement professionnel par l'ennui. Le manque de travail, des tâches ennuyantes, peu de relations avec les collègues, être surqualifié à un poste, être à un poste dénué de sens ou ne pas évoluer dans l'entreprise après des années. En tant que gestionnaire, il est très important de garder ses employés stimulés pour leur santé mentale. De plus, les employés qui s'ennuient peuvent être plus portés à démissionner. Voici donc quelques astuces pour éviter cela. Communiquer avec ses employés. Vos employés font-ils des tâches répétitives au travail et semblent-ils s'ennuyer? Ceux en bore-out ont tendance à partir plus tôt que les autres le soir, faire leurs tâches sans grande motivation, être fatigués et se dévaloriser. Si vous repérez cela, ayez une discussion avec eux. Vous pourriez voir comment rendre leur travail plus intéressant ou comment leur rajouter une charge de travail s'ils en ressentent le besoin. N'hésitez pas à les diriger vers des ressources psychologiques si vous ressentez une détresse de leur côté. Donnez un sens au travail. Certains emplois sont moins captivants que d'autres, et il est parfois difficile de corriger cela. Néanmoins, il est toujours possible de faire ressentir à l'employé que son travail est apprécié et dessert une mission organisationnelle importante. Renforcer les liens entre les collègues. Tisser des liens importants avec ses collègues peut compenser avec l'ennui de certaines tâches. En tant que gestionnaire, vous pouvez montrer de l'intérêt envers les employés et organiser des activités sociales. Si vous êtes un employé et que vous ressentez de l'ennui régulièrement au travail, parlez-en à votre employeur avant que cela ne se transforme en épuisement professionnel. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation. Formation et conseils depuis 1970.